dear viewer, make sure you click on the subscribe button and the notification bell, and be the first to watch new videos of Apostle John Chi. Watch and be blessed. Come on! Covenant Ministry. In the name of Jesus Christ. No. What's the reaction? You are leaving her now. Do you know me? Now, who are you? Me. And what have you done to this lady? A lot. A lot. And her family have destroyed. You destroy. I destroyed. Have you destroyed? Demons are real. Everything. What about their careers? No career. What happened to their careers? Destroyed. Who destroyed them? Who destroyed their careers? Who are you? I'm a big snake. Oh, you are a big snake. No! I'm giant. Giant what? Snake. Giant snake. Yes. So how do you operate in the family as a snake? I destroyed everything. No marriage. No education. She likes studying, but she's always failing. So you are the cause of all this? And she will never succeed. What about your marriage? No infection for her husband. Huh? No infection for her. Who is the cause? Of course, me. So you are the cause? Of course. So what have you done to the family? What do you think? She's always sick. Always sick! Who is the class? I'm a big snake. What's the reaction of so the So who is the class? Me. Demons are real. You are the class? Okay. Now get out. Guy, in the name of Jesus Christ, move! In the name of Jesus Christ, the greatest mistake you have made is for allowing her to come here. In the name of Jesus Christ, you are leaving her now. She belongs to Jesus right now. You are leaving her. I'm a big snake from your village. Oh, from the village. Of course. Right now, Jesus Christ wants you out. I entered her when she was young. Okay, you entered her when she was young. Yes, of course. So, what are the evil things you have done to her? A lot. I made her prostitute. You make her what? You have had me. What do you want me? You make her what? Prostitute. So, you are the cause? Of course. What other evil? What other evil have you done? She was always masturbating. Even our children, I always even look at them and say, look at them! They're useless to me! I'm always beating them! Oh, beating! Yeah. Beating! So, show us how you walk, you snake! In the name of Jesus Christ, manifest, you snake! Where the light of God is, darkness has no hiding place. Where light and darkness has nothing in common. Out! In the name of Jesus Christ. Darkness? Be cast out! Watch the power of God in action. Out! I have cut the neck. In the name of Jesus Christ. No matter how demons try to resist, they must go because they have been commanded to bye-bye.
Glory be to Jesus. Thank you, Lord. Put your hands together for Jesus Christ. Indeed, the light of God prevailed over darkness. She's free. The devil came to kill, to steal, and to destroy, but Jesus Christ, the Savior, you, came Jesus, for to give life and life in abundance. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. My name is Zof Kabahande Chantal from Uganda, East Africa. Hello, madame, c'est prénom Chantal et elle vient de Uganda. The problem brought me here was business and financial failure, academic failure, fear, confusion. Everything was completely destroyed. Hello, madame vient de Uganda et elle nous dit que ce qu'il a mené ici au ministère de l'âge de l'Alliance de Dieu, c'est le problème d'échec, d'attaque spirituelle et tout ce qu'elle rencontre dans la vie. Spirit of lust, spirit of prostitution. Elle avait l'esprit de la prostitution. This problem started when I was young. I was 8 years. I remember my sister called me and she told me to masturbate her. So I used my fingers and I masturbated her. Alors tout cela a commencé quand elle avait 8 ans et à sa sœur aînée qui lui a demandé de venir la masturber. Et ainsi elle a utilisé son doigt pour le faire. So this problem continued and when I grew up, I also started masturbating. Alors elle a fait comme ça 4 bonnes fois et quand elle grandissait, elle a continué à faire cette pratique. And I remember I was 8, the neighbor was a man, so he called me and took me to the bush. And he had sexual intercourse with me. Alors, elle se rappelle que quand elle avait 8 ans, il y a un homme qui est venu l'amener dans une forêt et ils ont eu des rapports intimes. Even my own brother had sexual intercourse with me. Son frère aussi a eu des rapports intimes avec elle. So the problem of prostituting started when my mother told me that my sister, the one who taught me how to masturbate, that she wants me to go to town. So when I went to town, I saw her going out at night and she comes back in the morning. So I didn't know which job she was doing. So she didn't want me to know what the job she was doing. One day she told me that I can go and look for that job. But then she was like, there's a job I do. Maybe I'll take you there and you see. And we dressed up. She took me there and it wasn't the Lord. So she told me, you stand there. The men will come and take you and they give you money and have sexual intercourse with them. Alors, c'est comme ça qu'elle rencontrait des hommes et elle continuait dans cet élan de vie de prostitution. So that's how it started. And when I got married, I was still masturbating and I was still sleeping with other men. I'm married to Germany and I have 2 kids with him. When I met my husband, it was in the bar. I didn't tell him the truth. I told him that I'm a hairdresser. Nous écoutons notre sœur qui donne son témoignage. Elle est ici parmi nous. Elle nous explique que le problème qui l'a amené ici au ministère de l'âge de l'Alliance de Dieu, c'est le problème de prostitution et le problème de convoitise sexuelle. Et elle explique bien que quand elle était toute petite, un homme âgé, très âgé qu'elle, elle avait 8 ans, 7 ans, et cet homme l'a violée, et aussi son frère biologique l'a aussi violée. Et c'est comme ça que sa sœur l'a introduit dans ce business de faire la prostitution. Et elle explique que même son mari présent qu'elle a rencontré, elle a rencontré son mari dans un bar. Because I lied to him and I don't want to lie. I'm a person who is always wants to be truthful to people. So one day, I told him the truth. I told him, you know, honey, I was a prostitute. And he was like, why you didn't tell me the truth? He should have told me the truth in the beginning. Et elle dit qu'au commencement de son intimité avec son mari, elle avait menti. Elle avait dit qu'elle était une coiffeuse, mais pourtant elle était une prostituée. Et un jour, après avoir gardé ce secret, pendant très longtemps, elle a dévoilé ce secret à son mari en lui disant qu'elle était prostituée. Et son mari était très fâché contre elle, mais elle ne voyait pas comme si c'était un problème. I remember, like, when I'm seated somewhere, like, thinking about something physically, I could see myself hang somewhere and snake moving all over my body. And it is true because I've been
Feeling things moving all over my body. Elle explique que c'est que l'esprit maléfique a confessé à travers elle en lui disant qu'elle avait un serpent. Slapping my children. Yes, I used to do so. I could slap her, the first one, so badly. Too much. And she cried. So I could go up to my room and I said to myself, why am I always slapping my child? Et elle dit qu'elle était aussi attaquée par l'esprit de colère et cet esprit la causait toujours à frapper ses enfants. Et chaque fois après avoir frappé ses enfants, elle allait dans son chambre et elle se mettait à pleurer et en se demandant pourquoi est-ce que j'ai frappé mon enfant. And before coming here, actually I was supposed to come last week. When I went to church to play on Saturday, something terrible happened to me. I placed everything, my bag was there, the car keys, the phone, the wallet. So when I stood up, I didn't see anything. They took my bag. Elle explique qu'elle devait être ici au ministère de l'Arche de l'Alliance de Dieu il y a cela 2 semaines. Mais dans son pays, un jour à l'église là où elle loue, elle était dans l'église et son père spirituel a demandé de prier. Et quand elle s'est mise à genoux pour prier, elle a découvert que son sac qui était à côté d'elle avec tout ce qu'elle avait, ses clés, les clés de sa voiture et son téléphone avaient été volés. This problem affected me a lot. Because I remember when this spirit came, I would feel something like moving around my head, and I could put my head down. So and then I put my head up at once, and then I go straight and masturbate. Notre sœur nous explique qu'il y avait souvent un esprit qui marchait autour de sa tête et chaque fois qu'elle ressentait cette chose qui marchait sur sa tête, elle allait entrer dans sa chambre et elle allait se masturber. Did you ever try to stop yourself from masturbating or from the spirit of prostituting? I tried a lot and I had no affection for my husband because I remember having sexual intercourse with my husband. After that, I just masturbate. Elle dit qu'elle a beaucoup fait pour essayer de s'arrêter, pour arrêter ce processus de masturbation, mais elle n'a pas pu. Et elle dit que même quand elle se rencontrait avec son mari, comme mari et femme, elle rentrait toujours pour se masturber. So when they stole my bag, I feel disappointed. I was like, no, I'm not going to cancel the flight. I will stay here because there's a prophet who is coming to visit our ministry there in Uganda. So I was like, I can stay here. But then people from here, they sent me the visa. And I was like, I have to go because I don't want to disappoint people. So I was like, I have to go there. That's why I'm here. Donc elle explique que le problème l'avait tellement dérangé, ce problème avait tellement perturbé toute sa vie. Et quand on l'avait volé son sac, elle s'était décidée qu'elle ne venait plus ici au ministère de l'Arche de l'Alliance de Dieu. Mais après avoir reçu quelques mots d'encouragement, c'est comme ça qu'elle est ici aujourd'hui. Before the prayer, I was feeling heavy, like I'm lifting a trailer, too big. But after the prayers of man of God, Apostle John Chi, I'm light. I'm so light. Notre sœur explique qu'avant de venir ici au ministère de l'Arche de l'Alliance de Dieu, elle se sentait très lourde. Mais après la prière avec l'homme de Dieu, l'apôtre John Chi, elle se sent si légère. Actually, before entering there, the prayer room, we were here worshiping. I didn't like to worship. I was like, no, I disliked everything. So I saw Jesus. Jesus was on the cross and with the crown. And I was like, Jesus? Jesus here? Then I started praying. I was like, there's Jesus here. Today is my day. I started claiming it. Notre sœur nous explique toujours son problème. Elle nous dit que quand elle était ici assise au ministère, dans l'église, elle ne voulait pas aller dans la chambre de puissance et elle ne se sentait pas à l'aise. Elle ne voulait même pas louer et joindre la chorale. Mais lorsqu'elle a eu une révélation, elle dit qu'elle a vu Jésus-Christ sur la croix avec une couronne. Et c'est ça qui l'a poussée à dire que c'est vrai que Jésus est ici. Il faut que je l'adore. So when I entered the prayer room, I was seeing Jesus. Jesus was on my face. My eyes, I could see Jesus only. So when man of God was far actually, he was far from me. I started manifesting. Et elle dit que quand elle a eu l'opportunité d'entrer dans la chambre de puissance,
L'homme de Dieu, l'apôtre Jean-Jean, n'était pas si près d'elle, mais elle voyait le visage de Jésus-Christ si près d'elle, et c'est comme ça qu'elle a reçu la délivrance. I am so happy that Jesus has heard my prayer, and I am so happy that Jesus has used Apostle Jean-Chi to deliver me today. So when I was operated, because for me I give birth through Sicilian, I gave birth to the second daughter. She was about 8-9 months. And then I started sleeping with me. I felt like I could hear something telling me, your husband does not care about you. Show him so that you can sleep with other men. So what I did, I went to Google. I Googled and for dating. So when I entered my name, but I didn't put my pictures there. I only put other people's picture. So I could, men could do, send me message and call me and I go and sleep with them. Donc elle explique que ce problème l'avait tellement dérangée et quand elle accouchait ses enfants toujours par opération, et elle dit qu'une fois après avoir accouché son deuxième enfant par opération, elle ressentait cette envie et cet esprit qui parlait en elle en lui disant, il faut montrer à ton mari parce que ton mari ne t'aime pas, il faut lui montrer que tu peux coucher avec plusieurs hommes. Et c'est comme ça qu'elle sortait de son foyer de mariage pour aller rencontrer des hommes et coucher avec eux. Now I'm okay, I feel light, I feel free, I'm happy. I know God has done something in my life. Notre sœur nous dit que maintenant elle est très contente et elle sait que Jésus-Christ a fait quelque chose de merveilleux dans sa vie. I used to smoke ganja. I used to drink alcohol. It was telling for me, masturbating is not really the right thing for human to do. Elle explique que sa vie au passé n'était pas une bonne vie. Elle dit qu'elle fut et elle prenait de la drogue, elle consommait de l'alcool, elle se masturbait. Elle dit que cette vie n'était pas une meilleure vie pour elle. Now that Jesus Christ, through his servant Apostle John Chi, has set you free from this evil spirit that has been tormenting your life and your marriage, what advice do you have to give people out there who are still suffering from the same or similar situation which we were going through before? I give them advice that they can leave those things and concentrate on Christ, because it's the way, the truth, the light, and he's the one who can deliver us, no one else. Notre sœur conseille à tout le monde qui la regarde que quand vous avez un problème, regardez vers Jésus parce qu'il est la vérité, il est le chemin et il est la vie et ce n'est que lui qui peut nous donner une solution. What is your promise to God Almighty for this wonderful deliverance that you have received? I'm going to serve him forever. I'm going to give him my life. I'm going to surrender my life to him. Nuestra hermana viene de Uganda y viene a darle gracias al Señor por la liberación, como ustedes lo han visto en sus pantallas, porque ella dice que sufría de un espíritu de prostitución. Dice que todo empezó cuando tenía 8 años que su hermana la introdujo a la masturbación. Desde entonces ella se perdió completamente a esa vida de masturbación y de prostitución. La misma hermana también la introdujo a la vida de prostitución. Era tanto el deseo sexual que tenía ella, era tanto el desorden sexual que ella vivía, tanto que cuando tenía sus hijos, el segundo hijo, ella explica que una vez que tuvo el segundo hijo, a las 8 semanas de haber tenido el segundo hijo por cesárea, por operación, ella tenía que buscar a un hombre por Google, y el cual tuvo sexo con ella. Era tanto el desorden sexual que su vida estaba completamente desordenada. De hecho, vino buscando la solución en las manos de Jesucristo y vino en este lugar, en este ministerio del Arca del Pacto de Dios, para que el siervo del Señor, apóstol John Chi, orase por ella. Una vez que oró por ella, como usted lo ha visto en sus pantallas, ahora se siente bien, se siente libre, se siente bien en el nombre de Jesús y viene a darle gracias al Señor. Jesus Christ is the light of the world. Go and continue to walk in the light of God and you shall never stumble in Jesus' name. Amen.